Bonjour à tous les professionnels en soins. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce qu'on lance le mois des professionnels en soins de la FIC et de la FICP. Un mois qui prend un tout autre sens cette année, alors que votre travail, vos compétences et votre expertise sont sollicitées comme jamais pendant cette pandémie. Je suis fière d'être votre présidente et de vous représenter. Depuis les dernières semaines, vous faites preuve d'une force et d'une combativité hors pair pour donner tous les soins sécuritaires à la population du Québec. Grâce à vous, le Québec peut compter sur des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques qui n'ont pas froid aux yeux et qui sont déterminés à soigner et à protéger leurs patients et à sauver des vies. Je sais que les prochaines semaines ne seront pas de tout repos pour lutter contre la COVID-19. Sachez qu'on est avec vous et qu'on travaille sans relâche afin d'exiger à tous les niveaux que les efforts nécessaires soient déployés pour vous soutenir. Ensemble, on doit continuer à se tenir debout, à faire entendre notre voix et celle de nos patients, et soyons fiers d'être au front pour eux. En cette période cruciale et combien importante, je veux vous dire sincèrement merci d'être là. Merci. Au nom de l'exécutif de la FIC et en mon nom personnel, je vous souhaite un très bon mois des professionnels en soins.